L'Espagne au régime sec, le gouvernement conservateur a présenté un budget 2012 d'une rigueur historique. Au menu, plus de 27 milliards d'euros d'économies via notamment le gel des salaires des fonctionnaires et une réduction de 17% des dépenses des ministères. Les efforts du gouvernement visent à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour changer la situation, a déclaré la vice-première ministre espagnole, pour que l'Espagne sorte de cette situation compliquée de déficit public et de chômage, pour qu'elle puisse renouer avec la croissance et créer des emplois. Côté recettes, une électricité plus chère et des taxes sur les grandes entreprises. Objectif, ramener le déficit public de 8,5 à 5,3% du PIB.